Amen. Gloire à Dieu. Peace of God is with you. Shalom à tout le monde. Shalom to all of you. Je ne pourrai pas terminer l'enseignement. I won't finish the teaching. Amen. Je m'excuse encore. I'm sorry. Amen. J'ai vraiment voulu. I really wanted to finish the seven pillars. Mais Dieu est ce qu'il est. Lord God, He is what He is. With His things. Autrement. He does His things His own way. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, je vais parler de la septième colonne. Today I'm going to talk of the seventh pillar. Amen. 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 Mais je savais que ça va être un peu bizarre. I knew that it was going to be funny. C'est vrai, non? You have jumped straight. Non, c'est pas lui. Supportez et pardonnez-moi. Just support it and forgive me. Amen. Amen. On va parler de la septième colonne. We'll talk of the seventh pillar. Et après, selon comme le Saint-Esprit va nous dire. And after that, as the Holy Spirit is going to lead me, il y a un de nos frères qui va recevoir mon mantle, qui sera consacré prophétesse, et deux autres sœurs qui seront enchantées, assistantes directes de sœur Flo. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. I bless the name of the Lord. Je bénis l'enseignement qui est sorti tout à l'heure le matin. Maman dit quelque chose. Maman Chantal said something. De très pertinent. Very, very pertinent. C'est trop important. It's very important. Le pasteur Antoine. Pastor Antoine. Il a compris. And he just finished what she said. Amen. Very, very important. Je vous en prie, prenons ça très au sérieux. Let's take it seriously. Dieu avec so that we should serve God with fear. Paul said, je traite mon corps durement. I treat my body so hard. Afin de ne pas être rejeté. So that I shouldn't be rejected. Après avoir prêché. After having preached. Je prie que cela soit notre part. And I pray that won't be our portion in Jesus' name. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans les églises. Because many things are taking place in our churches. Au point où on ne sait même plus. To an extent that we don't even know where we are. Mais le Seigneur m'a dit une chose. But the Lord told me one thing. Tous ceux qui se plaignent que all those that are complaining, ça ne va pas dans les églises. That it's not okay in our tous ceux qui se plaignent. All those that are complaining. C'est bizarre dehors. That it's funny out there. Il m'a dit. He says. Que j'ai fait que cela arrive. I made that to happen so. Afin qu'ils s'élèvent pour changer les choses. So that they should get up, they should rise up and change things. Un homme s'élève. So that they change quelque chose. So that one man should get up and change. Ce que je veux dire, c'est que si tu sens qu'il y a what I want to say is that if you feel that there's something bad going out in church over there, know that it is your calling. Get up and change that thing. If you feel it deep in you that what is wrong in those churches, what is wrong in the body of Christ? C'est Dieu qui est en train de te parler. It's God that is talking to you. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. That there's something that is wrong. Lève-toi et commence à get up and start serving God. Je vous assure. Assure you. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu. We are created for the glory of God. Nous sommes faits pour sa gloire. We are made for His glory. Il est même allé jusqu'à dire que even when you eat, même quand vous mangez, vous mangez. Even when you eat, you're eating for His glory. Donc ça veut dire que même it means that tu te maries. When you're getting married, tu ne te maries pas you afin d'être married heureux. Because you want to be happy. Tu te maries afin que you Jésus soit heureux. Because Jesus is supposed to be parce happy. Toute la gloire lui because revient. Every glory belongs to Him. Donc ça veut dire que tout ce que tu es, it means that everything that you are, c'est pour lui. Is for Him. Amen. Amen. Abandonnons-nous, je vous en prie. Let's abandon ourselves to Him. Amen. Amen. Ok, on va s'élever quelques instants, on va juste lire. Let's get up Genèse why? 2, verset 1 à 3. Genesis 2, 1. Genèse 2, verset 1. Genesis 2, 1 to 3. Ainsi fut achevé les cieux thus et la terre, et toute leur âme. And all the host of them. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait fait. Which he had made. Et il se reposa. And he rested. Au septième jour. On the seventh day. From all his work. Qu'il avait fait. Which he had made. Dieu bénit le septième jour. And God blessed the seventh day. Et il le sanctifia. And sanctified it. Parce qu'en ce jour. Because that in it. Il se reposa. He had rested from all his work. Toute son œuvre. Which God created and made. Il avait créé. Amen. En le faisant. Paix ici de ce que tu as pris le ventre. Bless you because you today. De ce que tu parles à ton peuple. Was to talk to your people. De Jésus. Amen. 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 Dieu bénisse ainsi. God bless you. Vous êtes bénis au nom de Jésus. God bless in Jesus' name. Amen. Amen. Tu peux revenir au verset. We start back from verse 1. Ok. J'ai commencé le coup de bouche. J'ai parlé de cette. I started from the beginning. I talked of the seven pillars. Je vais
pensais que j'étais censé aller en Europe. I know I'm supposed to go deep. Mais le Seigneur le fait. God alone will do it. La première colonne qui est celle de la pillar, which is that of the light. Ce n'est pas la lumière ici que vous voyez. It's not the light that you see. Ce n'est pas le soleil. It is not the sun. Le jour. The day. Ce fut le premier jour. He said it was the first day. Ça c'est le jour spirituel. That's spiritual day. Parce que le soleil a été créé le quatrième. Because sun was created the fourth day. Donc ça c'est le soleil, ça c'est la lumière spirituelle. So that's spiritual light. Et regardez comment. See how God operates. He started operating. He started operating on the basis of the light, on the basis of the light of the first day. See how each pillar, for each pillar to be placed, is being placed on the basis of that first, of that light that was created the first day. He worked on the basis of the light of the first day. The Bible says, the first day, he did this. And then he said, the second day, he did something again. And that was, but there was no light. There was no sun. Amen. It was the same day that he was working. It was that pillar that you operate in receptivity because it remains. It's not a matter of sun. It's a matter of light. Qui est le premier pilier, which is the first pillar, avec lequel tu vas évoluer sur les sept autres piliers. On the other seven pillars, et à chaque parole de sagesse, il y avait une déclaration qui disait ce fut le jour. That says it was the day. Le jour qui disait, the day that he was talking about, était toujours le premier jour. Was always the first day. Amen. Amen. C'était toujours la première pillar. It was always the first pillar. Le quatrième jour que le soleil first, a créé, the fourth day that the sun was created, c'était une chose. It was another thing. Mais quand il dit ce fut le quatrième jour, it was the fourth day, il ne parle pas du jour que nous voyons. He was not talking of this day il that parle we see. De la première colonne. He's still talking of the first pillar. Ça veut dire que toute ta vie, so it means all your life, doit être éclairée. Has to be enlightened. Ta vie doit être éclairée. All your life has to be enlightened. Of that light. Dieu hait les ténèbres. God hates the darkness. Donc, lorsqu'il y a une semence de ténèbres en toi, when there is a seed of darkness in you, tu vas pouvoir faire des efforts. You have to make effort to circumcise yourself. Amen. Amen. Afin que tu sois lumière. So that you should be light. Ok. Tu vas aller très rapidement. I'll go fast. Ainsi fut achevé les cieux et la terre, the heavens and the earth, et tout leur âme. We finish and all the host of them. Dieu acheva au septième jour son œuvre. God finished on the seventh day his work, which he made. Et il se reposa au and septième he rested on the seventh day. Le septième jour, je l'ai appelé la sagesse du repos. The seventh day, I called it the wisdom of rest. Amen. Amen. Il se reposa au he rested jour, the seventh day of all his works qu'il avait fait. Regardez ce que, regardez maintenant. Look, écoutez très bien. Listen very well. La bénédiction. Blessing. Est manifeste dans ta vie. Is manifested in your life. Tu entres dans le repos. When you enter into Dieu rest, pas béni le premier jour. God didn't bless Dieu the first day. He didn't bless the second il day. Pas béni le neither jour. The third day. Il pas béni le neither jour. The fourth day. Il pas béni le not even the third il day. Day. Not even the sixth Dieu day. Dieu a béni le septième jour. The seventh day. Qui est le repos sabbatique. Donc c'est quand tu entres dans ton repos que tu expérimentes la bénédiction de Dieu. Tu peux vivre sur la terre jusqu'à mourir sans jamais être béni. Sans expérimenter cette bénédiction. Écoutez, listen, la Bible dit the Bible says, dans le livre d'Esaïe 64, in Isaiah 64 au verset, si tu peux me mettre ça, ça me ferait plaisir. Même en Esaïe 64 au verset, Isaiah 64, au verset 3 à 4. Verset 3 to 4. Verset 3 à 4. Ok. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, that we never heard, tu descendis you descended, et les montagnes s'ébranlaient devant toi. And mountains bow before you. Jamais you never on n'a appris have we heard, ni entendu dire. Neither have we learned. Et jamais l'œil n'a vu and never the eye has seen qu'un autre Dieu que toi. Another God that you fit de telles choses see those things pour ceux qui se confient en lui. To those that
trust in you. Écoutez. Listen. Arrêtons. Let's stop. Arrêtons de prêcher Jésus. Let's stop preaching Jesus. Amen. Amen. Je vous suis. I'm begging. Arrêtons de prêcher Jésus. Stop preaching Jesus. Commençons à vivre Jésus. Start living Jesus. Amen. Ce n'est pas ta prédication. It's not your preaching qui change les vies. That changes people's lives. Ce n'est pas le fait que tu détiens au carrefour, tu dis Jésus. It's not the fact that you are in a carrefour of one and you say Jesus in your life. Commence à vivre Jésus. Sans parler, les gens sont convertis. On est fatigué de voir les pasteurs prêcher. Les gens qui prêchent, mais qui ont de mauvaises vies. But they have bad lives. Et ça détruit des vies. And it destroys lives. Et les gens commencent à ne plus croire and people en Jésus. Don't believe again. Mais ils parlent de Jésus, non? But they talk about c'est pas Jésus qu'on parle. It's not Jesus. C'est Jésus qu'on parle. About now. Mais si les gens ne croient pas but en Jésus qu'on parle, c'est pas ta femme qu'on ne va pas. Écoutez, lorsqu'un pasteur n'est pas reconnu comme pasteur dans sa propre maison, in his own house, c'est parce qu'il est hypocrite. Si les enfants d'un pasteur ne sont pas convertis, c'est que le pasteur est hypocrite. Parce qu'il dit une chose du corps de la chair, mais lorsqu'il est à la maison, il fait le contraire. Quand tes enfants commencent, mais Dieu là n'existe pas. Tu dis quelque chose. Tu épargnes les gens du haut de la chair. Tu prophétises au ciel. Mais à la maison, tu es un menteur. Tu es un conspirateur. Tu fomentes des coups contre les gens. Tu t'assois avec les gens, tu m'appelles des uns et des autres. La femme voit. La femme sait. Il sait que tu as prêché le matin. He knows that you preached in the morning. Qu'il ne faut pas être conspirateur. That you shouldn't conspire. Il sait que tu as prêché le matin. He knows that you say you should not lie. Mais le soir à 18h, yet in the night at 6 p.m. he sees you lie. Il te voit conspirer. He sees you conspire. En fait, tu prêches Jésus. And you're preaching Jesus. Mais tu n'es pas Jésus. But you don't need Jesus. Parce que Jésus ne ment pas. Because Jesus does not lie. Jésus ne conspire pas. Jesus doesn't conspire. Si on peut seulement. If only we can. Se décider. We can decide. D'entrer dans un certain repos. To enter into our rest. Être béni par Dieu. Be blessed by God. Et béni maintenant le monde. And now bless the world. Je vous assure. I assure you. Jésus sera plus calme. Jesus will be calm. Il a dit une chose quand il est monté. He said one thing when he climbed here. Il a dit tout ce que le Seigneur lui parlait. He said everything that God was telling him. Pour ceux qui étaient avec moi ce matin. For those that were with me this morning. C'est que j'ai dit, non? He comes to what I was saying. Tout ce que tu as dit. Everything that he said. All the preachings. J'ai pas dormi toute la nuit. I didn't sleep all night. Toute la nuit, ouais, j'ai pas all night, I didn't sleep. Le Seigneur m'a pris. The Lord took me. Dès que je suis allé sur mon lit. When I went to bed. Jusqu'au matin. Till morning. Parler d'un certain nombre de choses. He talked to me about certain number of things. Certain number of things. Parler d'un certain nombre de choses. He spoke to me about certain number of things. Le Seigneur me fait comprendre. The Lord made me know. Il faut que le peuple soit conscient. That you people, let these people be conscious. Listen to what I'm saying. Il faut que vous soyez conscient. We should be conscious. Je vois beaucoup de vidéos dehors. I see many videos outside there or audio. J'ai une vision. I had a vision. Et j'ai vu le Seigneur m'a dit. And I saw the Lord. He said to me. Il revient bientôt. He's coming soon. Et je vois les gens pleurer dans and les I see people crying. Que la gloire de Dieu n'est pas révélée. So long as the glory of God has not been revealed. Bien ce que je veux vous dire. Tant que la gloire des fils de Dieu n'est pas révélée, Jésus ne viendra pas. Tant que tout le monde ne va pas entendre parler de Jésus, Jésus ne viendra pas. Tant que tous les signes ne seront pas accomplis, il ne viendra pas. Donc arrangez-vous à vous lever. Vous devez vous lever. On doit se lever. On doit se lever pour sa cause. Arrêtons de rester assis. Let's stop sitting down. C'est pour ça que l'église est bien. That's why church is good. Il faut parler de la parole de Dieu. It's good to speak about what et soit tu commences à l'esprit. And then go out there. Soit tu commences à vivre. We are living it. Paul dit. Paul says que j'estime que les douleurs des temps présents ne sauraient être comparées. That the pains of the present time. À la won't be compared qui sera révélé to the glory that will be revealed to the sons of God. That's the glory that will be revealed to the sons of God. Mais lorsque j'ai lu ce texte, when I read that text, je constate que I understand that Paul qui a fait des choses, Paul who did things, c'est vraiment qui n'a rien fait.
They noticed that he did nothing. Et l'homme de Dieu a dit, and the man said, "Not about you." That he has just placed the foundation. Frère, vous croyez que les choses ne vont pas arriver avant que Jésus vienne? Do you think those things will happen before Jesus comes? It must happen. Si tu ne te décides pas, if you don't decide, somebody will decide and will do it. Il va être peut-être ton fils spirituel. Maybe he's your spiritual son. Tu seras engagé à faire des grandes choses. Toi, tu seras là, lui. You will sit down there and you make it work. Because he has great things. Et Dieu va l'utiliser. And God will use him. Juste à cause de sa disposition. Just because of his disposition. Dieu va l'utiliser. Because he's disposed. And God will use him. And he's going to manifest. Toi, tu vas rester assis au Père. Je suis le Père spirituel. I'm the Father, spiritual Father. Et l'enfant va commencer à faire des grandes choses. And the child will be doing greater things. Doing wonders, and you'll be seated. Samuel a fait les plus grandes choses qu'il a dit. Samuel did greater things than Elijah. Il était le fils d'Élie. He was the son. Élie. Il dit Samuel était le fils de Élie. Samuel was the son of Eli. Samuel était le fils. Samuel was the son of Eli. De Élie. Samuel was the son of Eli. Il a fait les plus grandes choses. And he did greater things than Elijah. Et le jour que Dieu est venu à Samuel, c'était pour dire à Samuel, j'ai rejeté ton père. I've rejected your father. Faites attention. Hein. Il y a des choses très profondes. Il y a trop de pères qui sont rejetés. There are many qui ne sont même pas conscients. Are not even conscious. C'est pas plaisant. It is not pleasant. C'est pas plaisant. It is not pleasant. Ça ne fait pas du bien. It's not good. It doesn't. Ça fait mal. It's painful. Parce que même quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que Samuel I read the Bible, mal. I saw that Samuel. Au point où quand Élie vient vers lui, Samuel ne veut pas lui dire. The instant when Eli came towards him, somebody wants to tell him, and Eli told him, "Tell me what did God tell you?" C'est maintenant le père qui va chercher la révélation. Now it's the father that goes towards the son to look for to seek for revelation. Vous voyez pas qu'il y a problème? There is a problem. En temps de paix, en temps de paix. In time of peace. C'est le fils qui enterre les pères. Normally, it is the son that is supposed to bury the father. C'est le père qui enterre les fils. Time of peace is the son. Time of war. Amen. Amen. Disais que j'ai nommé la sagesse. I name the wisdom. Première chose que je veux ressentir, c'est le silence. First thing I want you to know is silence. Amen. Amen. Dans le livre de Proverbes 17. In Proverbs 17. Je suis un peu fatigué. I'm a bit tired. Je peux dormir. I didn't sleep. Au verset 28. Verse 28. Ok. Regardez la sagesse jusqu'à la sagesse 7e jour. L'insensé. L'insensé. Even a fool. Même quand il se tait. When he holded his peace. Il passe pour sage. He's counted wise. Apprenez un peu pour contrôler votre bouche. Learn to control your mouth. La Bible dit que même si tu es aussi idiot que possible. Even he that is so stupid. Mais le jour qu'il se tait. But the day that he. Le ciel le qualifie de sage. The Lord qualifies him as la wise. Sagesse du silence. That's c'est le plus haut niveau de sagesse. Level of c'est le plus haut niveau. It is the highest level. Lorsque le septième soit été brisé, il y a eu silence. When the seventh was broken, Dieu a opéré tellement de choses pendant cette période during that period, que Satan n'a pas compris. That Satan didn't understand. Et que jusqu'aujourd'hui, Satan ne comprend. And that till now, Satan don't understand. Celui qui ferme ses lèvres. And he that shuttered his lips is esteemed a man of understanding. Amen. Amen. Dans Proverbes 10, in Proverbs 10, verset 19, verse 19, celui qui parle beaucoup, in the multitude of words, ne manque pas de péché. They wanted not sin. Tu vas rater beaucoup de bénédictions. You will lose so many blessings. Juste parce que tu parles beaucoup. Just because you speak a lot. Amen. Amen. Mais celui qui retient ses lèvres, but he that refrains his lips, c'est un homme prudent. Wise. Un verset. La langue du juste. The tongue of the just est un argent de is as choice silver. Le cœur des méchants. The heart of the wicked est peu de choses. Is little word. Les lèvres du juste. The lips of the righteous dirigent beaucoup d'hommes. Feed many. Et les insensés meurent. But fools die. Par défaut de raison. For want of wisdom. Okay. Now see. On dit, it is said, the lips of the righteous. Non sur la terre, no man on earth est juste. Is righteous. Si c'est le Jésus. If it's not Christ, if not Christ, nous devenons justes. We become righteous. Le jour que nous acceptons Jésus. The day that we accept. Et qu'il nous justifie. And he justifies us. Ça nous rend juste. Righteous. Nous ne nous approchons pas de Dieu. Approach God nous-mêmes. On our own self.
Nous approchons de Dieu. We approach God. Au travers du sang de Jésus. Through the blood of Jesus. C'est le sang qui est juste. It's that blood that is righteous. Tout ce que tu veux faire. So everything that you want to do. Appuie-toi sur Jésus. Just rely on Jesus. Pour être juste. To be justified. Si tu t'appuies sur tes œuvres. If you rely on your works. Si tu t'appuies sur ta prière. If you rely on your prayers. Sur ta vie de prière. On your prayer life. Si tu t'appuies sur. If you rely. Ta piété. On your purity. C'est un vêtement souillé devant Dieu. It's a soiled garment before God. Tu n'es pas juste. You are not just. Et par conséquent, you are not righteous. Tu ne peux pas diriger beaucoup. And consequently, you can't lead many people. Amen. Amen. Mais si en toute chose, if in everything, tu t'appuies sur Jésus, you rely on Christ, qui est la pierre angulaire, who is the cornerstone, et la seule personne que Jésus voit. And it's the only person that Jesus sees. La seule personne que les anges regardent. The only person that angels look upon. La seule personne que le Père regarde. The only person that Jesus, that God looks upon. Ça va peut-être vous étonner. It's going to, you are going to be Dieu astonished. Dieu ne regarde pas notre visage. God does not look at our image, our il, face. Il nous regarde au travers du sang de Jésus. He looks at us through the blood of Jesus. Et when he wants to pay his attention on us, il regarde sur la consécration qu'il a dit sur toi. On the consecration that is placed on you. What did he say? Quand tu cries à Dieu, when you cry unto God, quand tes prières montent, the prayers rise. Dieu dit, qu'est-ce que j'ai dit? God says, what did I say to this avant son? Avant la fondation du monde, je te connaissais. Before the foundation of the world, before the foundation of the world, I knew you. Consacré. And I consecrated you. Okay. Okay. Comme il te connaît, il t'a consacré. Since he knew you, quand and consecrated veux s'approcher de toi, when he wants to approach you, il regarde à ta consécration. He looks at your consecration. Il ne regarde pas à ta beauté. He doesn't look at your beauty. Il regarde à Jésus. He looks at Jesus that he sees. Derrière, il voit la consécration. And behind, he sees the consecration. This particular person, this que person je connais d'avance, that I know particularly and that before I knew him, what is his predestination? What is his calling? Et quelle est sa justification? And what is his justification? Quelle est sa glorification? What is his glorification? Je pense que tu regardes. So on that basis, that God looks at you. Ce que je dis, si tu what I'm saying, if you understand it simply, tu vas rester trop humble. You'll be very humble. C'est comme que Dieu ne te regarde même pas. Knowing that God doesn't look at you. C'est comme ça que moi, le jour qu'il m'a appelé, c'est that's how I look at it. That's the first thing he told me when he called him. Amen. Amen. Il m'a dit, il m'a fait une image. He made an image. Il m'a dit, regarde, au jour que je suis venu à Isaïe. He said, when I came to Israel. Je lui ai pas parlé. Isaiah. Il dit, je lui ai pas parlé. I didn't speak to him. Il dit, j'ai apparu. I appeared. Et je l'ai regardé. And I looked at him. Et j'ai demandé qu'on ouvre ses yeux. And I said, let him open his on eyes. Ouvre ses yeux. His eyes were open. Il a vu. He saw. Et je lui ai pas parlé. But I didn't speak to him. Et c'est lui qui a commencé à parler. He's the one that started speaking. Je suis mort. I'm dead. J'ai vu Dieu. I saw God. J'ai vu le pain de Dieu. I saw the garment of God. Je suis mort. I'm dead. Et regardez ce qui va se passer. Now look at what's happened. Ah, c'est la fin de la vie. Maintenant, now, on va parler du repos. Let's talk about rest. Dit, somebody will tell me. Repos, during the rest, est-ce que tu ne dois pas travailler? Don't I work? Tu dois travailler. You have to work. La Bible dit que Dieu a travaillé. The Bible says God worked. On dit qu'il a travaillé. He worked. Jusqu'à se reposer. Until he rested. Tous les hommes de Dieu. Every man of God, every man of God, all the men of God. Dieu m'a appelé en plein temps. Who says God has called me on time, full time? J'ai fouillé sur la Bible, je n'ai pas vu. I have searched the Bible, I didn't see it. Tu dois travailler. You have to work. Tu ne dois pas dépendre. You don't have to depend. Des chrétiens. On Christians. Tu ne dois pas dépendre. You don't have to depend. Des dîmes et des offrandes. On tithes and offerings. Tu dois dépendre. You have to rely, depend Dieu. On God. Il vient de Dieu. And only God. Et tu dois présenter la parole. And you have to present the word of God. De manière simple. In a simple manner. Présente la parole. Present the word of God. Et
tu fais ton travail que tu as fait. And you do your own work. Ton pain quotidien que tu gagnes. Your daily bread that you, tu you receive. Le jour d'un chrétien vient, il pense à toi. The day that a Christian comes and he thinks about you. Parce que je viens and he says, Pastor, I've come. Toi aussi bénis Dieu. Oh, you bless God too. Mais ne demande jamais un chrétien. But don't ask anything parce from a Christian. Parce que Dieu n'a jamais demandé because à un God pasteur has never asked. And it has never asked a pastor to ask anything from the Christian. It's not written in the Bible. Tout ce que les pasteurs et les prophètes, all what pastors, prophets, apostles, come and tell Dieu you. God has asked me to tell you to give me. C'est un bon menteur. It's a good liar. Dieu ne dit jamais ça. God never says that. Tu dois être libre de donner. You have to be free. You have to give freely. Tu dois être libre. C'est une personne doit pas. That's why a pastor. Dépend. It's not supposed to depend. Amen. Amen. Des offrandes. On offerings. Ou des dîmes. Or tithes. Et c'est ça qui fait en sorte que le peuple n'est pas béni. And that's why make the people are not blessed. Parce que on leur fait comprendre que they are made known that si tu ne donnes pas la dîme, if you don't give your tithe, tu es maudit. You're cursed. Il n'y a aucune malédiction. There is no curse in Christ. Comment tu ne vas pas donner la dîme? How? Tu seras maudit. How would you give your tithe and your curse? Which way is that to curse? Which type of a father is that? That give birth to his child and he passed all his time cursing because he hasn't given his tithe. Which type of father is that? Really, let's try to revise ourselves. Let's come back to ourselves. Let's allow God a bit. On my head, I can't curse my son. Now Jesus said, non, peut ne pas maudire son enfant. If a man can curse his son, how much more God? Pourquoi est-ce qu'on dit que les chrétiens sont maudits? So why should we be saying that Christians are cursed? Amen. Amen. Tu n'es pas maudit. You are not cursed. Amen. Amen. Sens-toi libre. Be free. Feel free. Tu dois travailler dur. You have to work hard. Un homme doit travailler dur. A man has to work hard. Une femme doit travailler. A woman has to work hard. Proverbe 10. Proverbe 10. Je vous en supplie. Un homme doit travailler dur. A man has to work hard. Une femme doit travailler dur. A woman has to work hard. Verset 4 à 7. 4 to 7. Afin d'entrer dans le repos. Amen. So that we enter into rest. Celui qui agit d'une main lâche, s'appauvrit. But the hand of the mais la main des diligents. But the hand of the diligent naked with. Donc ça veut dire que it means that. C'est bon, pas de problème. C'est bon. Ça veut dire que it means that si tu ne veux pas faire usage de tes mains, if you don't want to make use of your hands, tu vas encore plus t'appauvrir. You will become more et and more qui poor. Sait faire usage de ses mains, and he will make good use of his hands. Il s'enrichit. Becomes rich. Et pourtant Dieu a béni tes mains. Whereas God bless your hands. Tu dois travailler, frère. You have to work, brother. Tu dois travailler, sœur. You have to work, sister. Si tu n'as pas le travail, if you don't have a job, demande à Dieu. Ask God. Amen. Demande à Dieu. Ask God. Celui qui amasse pendant l'été. In summer, Dieu dit so, que tu dois savoir quand il faut amasser. You have to know when to gather. Est prudent. He's, il dit mais celui qui dort but he pendant la moisson, celui qui dort pendant la moisson, but he has slept in harvest. C'est un fils qui fait honte. There's a time où il faut travailler et amasser. When you have to work and gather. There's a time où il faut moisson. Oui, tu dois moissonner. You have to reap. Ce que tu as sais. What you sow. Mais comment est-ce qu'on va te dire que tu ne peux pas travailler? And how can they tell you that you can't work? Dépendre, il faut seulement rester couché et you just have to que les remain critiques. Lying down and you wait that Christians bring their offerings and their tithes. Ou alors? Or? Tu es couché chez toi, tu ne peux pas travailler. You're lying at home and you won't do anything. Parce qu'un prophète a prophétisé. Because a prophet prophesied. Il a dit, tu vas être milliardaire. Say you'll be a billionaire. Mais pas pour tu vas être milliardaire. Don't work and save you become a billionaire. Tu vas travailler pour être milliardaire. To become a billionaire. Amen. Amen. Si Dieu dit que tu vas être milliardaire, if God says ton appel est trop grand. That you're going to il dit 10 milliards. You're a millionaire. You're a billionaire. And he who says billionaire says. Donc tu vas l'affronter. Because you have to pourquoi le gars accepte que je touche le milliard là? Because tu dois plus t'accrocher à Dieu. You have to rely more on God. By walking with your hands in order to touch that money. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit que celui qui amasse pendant l'été, he that gathers, est prudent. He that celui qui dort, with the hand of the diligent,
which he that gathered in summer is a wise son, but he that sleepeth in harvest is a son. Il y a beaucoup de bénédictions sur la tête du juste. Blessings are upon the head of the just. Bien, monsieur, verset. I love Jesus. This little phrase. Whereas the just is Jesus. Donc, quand la bénédiction commence à venir, when the blessings start, ça veut dire que tu es au repos. It means you are already entered into your rest. Et tu es au repos pourquoi? And why are you in that rest? Parce que tu n'es vivant. Because you don't live anymore. C'est Christ. Because it's Christ that lives in you. Tu n'existes plus. Amen. C'est Christ qui existe. It's Christ that exists. Toi, tu es au repos. Vous croyez que vous êtes une forme de Dieu? You think they are gods? Vous croyez? Amen. You believe? Vous croyez? Do you believe? Ok. De la même manière que. Ok, in the same way that. Dieu est assis sur un trône. God is seated on the throne. Nous sommes assis sur le trône. You are also seated on the throne. Et le Saint-Esprit opère. And the Holy Spirit is operating. Amen. Amen. Mais la violence couvre la bouche de l'Égypte. The violence covers the mouth of the wicked. Et le verset 7. Verse 7. La mémoire du juste est une bénédiction. The memory of the just is blessed. Mais le nom des méchants. But the name of the wicked shall rot. Amen. Amen. Quand tu travailles ton main. When you don't work with your hands. Comment viendra le repos alors? How will your rest come? Comment tu vas te reposer? How are you going to rest? Dieu a fait une image avec ça. God made an image out of that. Il fait en sorte que les gens partent travailler. He made it such a way that people should go to work. Il fait en sorte qu'à 55 ans ou à 60 ans tu prends la retraite. That when you're 55 or 60 years you go on retirement. Mais comment ça fait que c'est que c'est parce que quelqu'un est censé. So how does it come that somebody is supposed to work? Supposons il a il commence à travailler avec 5 ans. Let's say he starts working at 25, age of 25, and he finishes at 60. Comment ça se fait que par un how comes it that between 25 and 60, tu n'as pas pu faire quelque chose? You haven't done anything. Au point de te reposer. To the extent of entering into your rest. J'ai vu des responsables d'État. I've seen responsible people from this state, from this nation. Très influent dans ce pays. Very influential in this nation. On a sorti un décret présidentiel. That is a presidential decree comes out. Au responsable du CED. Comes out and go and give it to the responsible of the CED. On a déployé l'armée. The army has been deployed. Monsieur sortez du bureau. To the ministry and they say, sir, come out of the office. Come out of the office. Il est retiré depuis 10 ans. He has gone on retirement since 6 years. And somebody has been appointed to that job and he's threatening that person that he won't go out. But it's not. I'm telling you what is happening. That's why the Bible says he makes shame. Tu vas te reposer quand? When will you rest? Tu as besoin de te reposer. You need to rest. Parce que tu as échoué dans ta vie. Because you failed in your life. Amen. 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 Regarde comment la bénédiction s'accompagne. Même en 2 Corinthiens. See how this blessing is being accompanied. 2 Corinthiens 9 au verset 5. 2 Corinthians 9. 2 Corinthiens 9 au verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous. Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would s'occuper de votre liberté, and your bounty, déjà promise, whereof ye have noticed before, afin qu'elle soit prête, to the same, my de manière à être une libéralité, as a matter of bounty, non un acte d'avarice, and not as of covetousness. Sachez-le. But this I say, celui qui sème, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Celui qui sème and he that soweth bountifully shall reap also bountifully. Amen. Amen. Que chacun donne. Let every man. Voilà comment on sème. That's how we sow. Que chacun donne comme il a résolu. Every man according as he possesses in his heart. On va pas résolu veut dire 1 plus 1 égale 2. To resolve means 1 plus 1 equals 2. Ça veut dire que moi je résous une équation. It means I'm resolving an equation. Je résous. I give as I resolve. I say 1, I say 1 plus 1 equals y. Et puis je résous l'équation. And then I resolve the problem means 2. And I decide to give 2. Amen. Donc tu fais de ton propre choix. So you make your choice. Okay. Sans tristesse. Without give not grudgingly. Quand quelqu'un parle déjà, fait donner.
When somebody goes to give avec tristesse, with a grudge, with grudges, la tristesse est un démon. It is a demon. Et il va empêcher ce que Dieu a la moisson. Demon is going to stop. La tristesse c'est une herbe. Grudges. C'est un type d'herbe qui a des épines. It's a type of grass. Tu as semé. It's a type of grass that is the herb in the herbings. Et l'épine a tué la semence. You sowed and the thorns have killed the seed. Ok, parce que tu as été mal enseigné. Because you've been bad, you've not been well taught. On ne doit pas te dire de donner. They won't tell you to give. Tu vas donner selon quoi tu as. You have to give how as you would. Ni contrainte. Without grudges. On ne doit te faire aucune contrainte. You are not supposed to bear grudges. Parce que tu es libre. Because you're free. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Because God loves he that gives with joy. Même moi le verset d'après, le verset d'après ça, il regarde. Verse 8. Dieu. And God. Peut vous combler. Is able to make all toutes sortes de grâces. All grace above. Regardez, afin que vous étant toujours en toutes choses de quoi satisfaire. That ye that always having all sufficiency. A quel besoin? In all things. Une chose. One thing. Vous ayez pour toute bonne œuvre. About to voilà ce que ça produit. Produces. Donc pourquoi est-ce que les gens se plaignent que leur offrande so leur why are people complaining that their offerings and tithes are not blessed? Pourquoi est-ce qu'on ne matérialise la bénédiction comme on l'espère? Why don't we materialize the blessing as voilà we wish to? Pour subvenir à certains de nos besoins moindres. In order to meet up with our needs. Et pour les autres. And to the needs of and to the needs of others. C'est parce que l'enseignement est sorti. The teaching has come out pour dire que to tell us that tu ne donnes pas la dîme, tu es un voleur. Tu that if you don't give your tithe, you are a thief. Amen. Amen. Tu n'es pas un bandit. You are not a thief. Mais ne sois pas avare. But don't be selfish. There's joy in giving than in receiving. Amen. Amen. Don't be selfish. Amen. Amen. Constitue-toi toujours en donneur. Make yourself to be a giver. Constitue toute ta vie en donneur. Let all your life be a life of giving. Tu vas recevoir. You will receive. Tes fils vont recevoir. Your sons will receive. Tes petits-fils vont recevoir. Your great sons, great grandsons will receive. And you will be astonished. Just by your life, just by your life of giving. Juste par ça. Just by that. Et tu vois comment il calme dans le cœur. And you will be calm in your heart. Amen. Amen. Alors, je suis dérangé quand je vais te laisser le commandement. I'm really worried about the fact that I haven't preached all the seven pillars. Pour avoir le repos. To have rest. Il faut travailler. You need to work. Avec lui, il dit Dieu m'a appelé dans le temps. Stop saying God called me on full time. You have to work. Let's work. Rest will come. Amen. It's in rest that we are blessed. Hebrews 4 verse 10. Parle du repos. So divine rest. Car celui qui entre dans le repos de Dieu. For he that is se repose de ses œuvres. He also had ceased from his own works. Comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. Amen. Amen. Et le verset 11. Verse 11. Efforçons-nous donc. Let us labor therefore. D'entrer dans ce repos. To enter into that rest. Afin que personne ne tombe. Lest any man fall. En donnant le même exemple. After the same example of unbelief. Amen. Amen. Tu dois te reposer. You have to rest, my brother. Tu dois te reposer seul. Amen. Amen. Et pour te reposer, and for you to rest, tu dois te décharger sur Christ. You have to rely on Christ. Te décharger de décharger des racines de colère. You have to remove, unladen all the seed of anger that is in you. De la haine. You have to unladen all the seed of hatred that is in you. De l'amertume. You have to unladen all the seed of bitterness. Ça prive la grâce. It deprives the grace. Amen. Amen. Et rassure-toi de ne jamais offenser quelqu'un. And make sure not that you should make sure not to offend anyone. Hébreux 12. Hébreux 12:15. On va faire un petit truc. Je vais faire un petit truc. I will do something simple. Very simple. Hébreux 12:15. Hébreux 12:15. Veillez à ce que
looking diligently. Se prive de la grâce de Dieu. Lest any man fail. À ce qu'aucune racine d'amertume. Lest any root of bitterness. Vous semble être jetant. Springing up troubles. Et vous produise du trouble. Et que plusieurs. And therefore. Maybe. Écoutez. Listen. Regardez ce que je veux faire. Look at what I'm going to do. Ça va paraître bizarre. J'ai pas envie de toucher. It looks funny. Can I have a fur? Quand Dieu te crée. When God creates you. Tu es comme cette eau. You're like this water. Tu es pur. You're pure. Wow, c'est bon. Wow, this water. Ça passe quelque chose. Something is happening. Au cours de ta vie. During your life. De ta vie. Within your life, les gens commencent à t'offenser. People start offending you. Pour te faire du mal. To harm you. Pour te faire du mal. To harm you. Tu deviens comme ça. You become like this. Amen. Amen. Tu deviens souillé. You become soil. La Bible dit. The Bible says. La Bible ne te demande pas de traiter le problème d'amertume. The Bible doesn't ask you to treat that bitterness. Sinon, tu n'auras pas le repos. If not, you won't have rest. Ne traite pas l'amertume. Don't treat that bitterness. Si tu traites l'amertume, if you treat that bitterness, tu ne vas jamais te reposer. You'll never rest. Tu vas souffrir toute ta vie. You'll suffer all your life. Mais ce que Dieu te demande de traiter, what God's asking you to do, il dit traite la racine de l'amertume. Treat the ok. Quelqu'un va demander la racine de l'amertume, c'est quoi? People ask that, tu m'as offensé. Il vous dit, the Bible says, ne produisez le trou. Dès que tu me fasses, voilà l'amertume qui monte. Et ça crée le trouble. Ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve. Il t'a énervé, ton ami t'a énervé, ton mari t'a énervé, ta femme, ton patron, n'importe qui, ton pasteur, t'a brisé le cœur un peu dans son. Ok, ça va créer une amertume. Et ça va monter. Quand ça monte. When it rises, ça monte, ça monte. It rises. Tu vas faire une chose. Ou God will do something. Les gens viendront plus près de toi. People will come closer to you. Et ils vont commencer à te calmer. And I'll start calming down, calming you down. Calm toi. Laisse-les. Calm down, calm down. Oublie le problème ici. Laisse. Pardonne. Forgive. Oui. Then, dis, you say, j'ai pardon. I've forgiven. Si vous regardez bien cette couleur. When you look at this color. Observez-la bien. Observe it very si well. On laisse encore 5 minutes passer, elle va être encore plus claire que ça. More clearer than that. Ce que je veux dire, c'est quoi? Le moment où tu t'agitais, tu as créé le trouble, la racine est montée. Ok, et on dit pardon, on dit je vais pardonner, tu es mort. Et ça empêche la grâce de Dieu de venir sur toi. On dirait à ce que nous ne soyons privés de la grâce de Dieu, à ce que toute racine de l'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble. Et que plusieurs n'en soient affectés. Voyez, ça empêche la grâce de Dieu de venir. Ok. Non, je l'ai pardonné. Moi, je vous dis, ouais, écoutez bien ce que je sais de quoi je parle. Je vous dis, je l'ai pardonné. Je vous dis, j'ai pardonné. Deux jours après, ton épouse t'énerve encore. Your wife annoys you. Tu as compris ce que j'ai fait hier? Tu m'as énervé. Tu sais quoi, toi, c'est un peu lié, non? La racine est encore montée, ça crée encore le trouble. On va comme un frère, on a dit quoi? Ça ne fait que tu vas toujours perdre des grâces. Parce que le diable connaît la racine de la terre. Il sait où il va te piquer. Et il te pique au moins. Il sait où une grâce est en train de venir sur toi. C'est là-bas qu'il te pique. Il ne va pas faire monter ça. Et quand une écriture a dit, peut veiller à ce que nous avons vu avec les trous, le trou de la mort de Dieu. Les anges, quand ils viennent, avec la réponse de Dieu, ils trouvent ça. They will meet that route. C'est une autre source. It's another source. Ils retournent avec. They go back. Ils partent avec. They go back with it. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. I don't understand what's happening. Je fais n'importe quoi. I do anything. Je prie. I pray. Je jeûne. I fast. Ah, je comprends pas. I don't understand. Ce qui m'arrive. What's happening with me? Qu'est-ce que Dieu me veut? What does God want? Non, c'est toi le problème. Want from me. You are the one that's having a problem. Examine ton cœur. Examine yourself. Rassure-toi si tu es vrai. Reassure yourself. Make sure that for real. Tu as pardonné. You've forgiven your brother. Rassure-toi si tu es vrai.
You have to make sure tu n'as rien contre X. That you don't have anything against. Tu n'as rien contre Y. Against X or Y. Amen. Amen. Rassure-toi dans ton cœur. So always reassure yourself. La Bible dit. The Bible says. Les fils de Dieu. Sons of God. Doivent être révélés. Are supposed to be revealed. Dans le livre de 1 Jean 4, ne pas. In 1 John 4, au verset 17, verse 17, la Bible dit, the Bible says, so as God is, sommes, so we too are, afin que so that l'amour de Dieu soit manifesté sur la terre. The love of God is on earth. Okay. All right. Quelqu'un va dire, somebody will say, on doit manifester la gloire de Dieu. We have to manifest the glory of God sur la terre. On earth. Comment on va faire? How are we going to do that? Pour manifester la gloire de Dieu. To manifest the glory of God. Ce qui fait en sorte que tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu. What stops you from manifesting the glory of God? C'est que en fait, tu as l'impression que that you've got the impression. Tu connais que tu es ton père. You know that God is your father. C'est juste une impression. It's just an impression. Amen. Amen. Regardez ce deuxième exercice. Look at the second exercise. Tu es sûr. You are sure. Dieu est ton père. God is your father. Amen. Amen. Okay. All right. Tu es persuadé. You're persuaded that God is your father. It's a good thing. It's not bad at all. Okay. Dieu étant ton père. God being your father. Mais you. Et à la conscience souillée comme ça. With a conscience that is soiled. Tu peux pas honorer Dieu. You can't honor God. Tu peux pas être tel que Dieu est. You can't be the way God is. Ta conscience est souillée. Your conscience is soiled. Tu dis, je prie Dieu. I pray God. Tu ne pries pas Dieu. You don't pray God. Tu es souillée. You are soiled. Ce qui a fait en sorte que. What made that? La seule chose. What made that? Qui a amené Satan. And the only thing that brought Satan. Près de Jésus. Towards Jesus. Au désert. In the desert. C'était pour faire en sorte que was to make that Jésus was to soumet sa conscience. Was to make Jesus. He wanted to make Jesus soil his conscience. Que tu es son père. And c'est la seule raison. Amen. C'est pour ça qu'il est parti. That's why he le test. Look at the test. Si tu es fils de if Dieu, you are the son of God. Frère, le fait d'être fils de Dieu te donne des privilèges au-delà de ton enseignement, au-delà de ta compréhension. Et le diable sait ça. Il sait que tu as l'impression que tu es fils de Dieu. Et c'est là où vient ta part. Pour que, mets-moi un peu Romains 8, ben, Romains 8. Vas-y, je vais essayer de vous dire qu'on lit ça. Romains 8. Continue. 12. Mets-moi ce que je vais essayer de vous dire. Romans 8:12. On est les fils de Dieu. On we are sons of God. Ok. D'accord. All right. Ainsi donc, frères, nous sommes prêts devant la chair. We are debtors. Pour vivre selon la chair. Pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, if you live after the flesh, vous mourrez. You shall die. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. You shall live. Tu ne peux pas faire mourir les actions du corps par l'esprit. You can't kill the actions of the flesh. Tu as un sérieux travail à faire. You have a great job to do. Et la gloire de Dieu doit être manifeste. And the glory of God is supposed to manifest. Nous devons manifester la gloire de Dieu. We have to manifest the glory of God. On le fait. On doit délivrer nous-mêmes. We have to deliver ourselves. On doit d'abord commencer à s'examiner. We have to first of all examine ourselves. Enlever la poutre qui est dans nos yeux. Remove the stick, the dead eyes in our eyes. Avant d'enlever la paille qui est dans les yeux. Before you want to remove that of your brother. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit, so as many Dieu, as are led by the spirit of fils God, de Dieu. They are the sons of God. Et puis dit, et said, vous n'avez point reçu un esprit de servitude of bondage. Pour être encore dans la crainte. Again to fear. Des gens sont dans des assemblées. People are in assemblies. In various assemblies. Où ils sont tenus captifs. Where they are grounded, where they are kept. Qui t'a tenu captif là-bas? Who has kept you captive? Hein?
Tu as un appel. You have a calling. Où serves-tu? To serve God. Dieu te veut. Dieu a besoin de toi. God wants you. Mais he needs you. Tes pères disent. So your fathers are saying, no. Tu peux pas. On peut pas avoir. Tu peux pas être pasteur. You can't be a pastor. Tu peux pas être pasteur. You can't be a pastor. Non, tu peux pas servir Dieu. No, you can't serve God. Mais. But. C'est ok, d'accord. You say okay. Je dis, vous dites pas que très tout le temps. I'm telling you, it's not like all the time. Si tu veux servir Dieu. Okay, if you want to serve God. Tu vois le travail que tu fais là. You see that job that you're doing. Stop that. Stop it first. Maintenant, on va t'envoyer à l'école de formation. Now we'll send you to a Bible school. C'est quand tu vas sortir de l'école. When you come out from that school. Maintenant, on va te recruter dans notre congrégation. Now we are going to recruit you in our community. Tu ne travailles plus jamais. And you never work. Tu es seulement au service. You are only at the service de Dieu of God. Dans notre congrégation. In our congregation. Au cas contraire. If not. Nous on te maudit. Then we are going to curse you. Tu choisis entre ça. So you choose. Ou retourner faire ton travail tranquillement. You choose to do that or you go back to your job. Et tu prier Dieu. And you come to church. Like a simple Christian. Ton appel que tu racontes que Dieu t'appelle. That's your calling that you say God has given. We don't consider it. Moi je vous dis les cas que je traite tout le temps. I'm telling you the cases that I deal all the time. And I'm tired. Je suis épuisé de ça. I am really tired. Je vais consacrer la sœur aujourd'hui. I'll consecrate the sister today. Je vais lui donner les papiers de l'église. I'll give her the pastoral. Je veux que tu fasses habitude. C'est ce qu'on a besoin. That's what we need. C'est ce dont on a besoin. That's what we need. C'est ces gens que tu cherches. Those people that les gens qui vont savoir que celui-ci doit faire les grandes choses pour Dieu. People are supposed to do great. Il est béni et dit allez servir Dieu. And that are supposed to be allez sauver des âmes. Go and serve God. Allez parler de Dieu. Go and talk about God. On fait quoi à l'église? L'église don't, se pousse. Don't do that in church. Pour se charger. In church we just need to do ourselves. C'est pour apprendre. To learn. On vient comprendre ce qu'on n'a pas compris sur le chemin. Normalement, c'est ça. Hein? C'est quand on est sorti, on a rencontré des difficultés, on revient à l'église et on présente les difficultés aux anciens qui sont à l'église. On n'a pas pu comprendre des choses et ensemble, on prie pour comprendre qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la chose afin de résoudre le problème. Et on ressort, résoudre le problème. L'église, c'est pas pour s'asseoir. It's not to come and sit down. It's not to come and sit down. C'est pas pour ça. No, it's not for that. Chaque fois on prêche. Each time we preach. Quelqu'un est venu me voir. Somebody came to me. Il dit pasteur. He said pastor. Depuis que je t'ai rencontré. Since the day I met you. Je suis dans une congrégation. I'm in a congregation. Apostolic, something like that. Il me dit. He said. Depuis que je t'ai rencontré. Since the day I met you, my spiritual, pris une autre dimension. My spiritual life has taken another direction. I can't detach myself from my congregation. I have a calling in my life. Parlé, the day that you spoke to me, je m'a visité la même God visited me that night. He told me dit, everything exactement. Exactly. Au point où il a perdu la paix. To an extent that he lost his peace. Une année and I told him, un serviteur de Dieu. I told him that it was a year that the servant of God. Dans une assemblée. In an assembly. Dans leur même assemblée. In their assembly. Quand il prêchait. When he was preaching. Et puis il s'est arrêté. And then he stopped. Et quand Dieu fait ce qu'il veut. And as God does what he wants. Le Saint-Esprit de ça. He came upon him. Le Saint-Esprit a pris les pas du pasteur. And then he took the path of the pastor. Monsieur. And led monsieur him. Marche, il sait pas ce qu'il le fait marcher. He was walking on what he's making for. And he came il towards him and he stopped there. Dit, and he said. Je t'appelle à mon service. I'm calling you to je my service. Serviteur. You're my servant. Tu vas sortir du système. You have to come up with a system. Il parle dans une assemblée qui est dans le système à quelqu'un qui est dans l'assemblée. Et les gens commencent à parler à quelqu'un. Et je lui rappelle cette parole-là. Je lui dis qu'un pasteur, un jour, tu es à l'église, est venu te parler. Il met les mains sur la Bible. Tu dis comment tu fais pour savoir. Je lui dis, mais je parle par l'Esprit de Dieu. Et je lui dis, mon ami, aussi longtemps que tu vas rester là, ta vie va se troubler. Si je vous vous serez dépassé. Mais il est tenu par le système. He's held by the et on lui a dit, tu bouges en ton body. Il a l'appel de Dieu. Il connaît son appel. Mais il ne peut pas servir Dieu. Okay. Right. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous êtes encore dans la crainte. Tu as peur de quoi? Tu as reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. C'est le Saint-Esprit qui vient parce qu'il veut manifester la gloire de Dieu. Il veut que sa puissance soit révélée. Et il vient maintenant sur toi. Il dit reconnais que c'est ton père. Si c'est ton père, reconnais que c'est ton père. Fais seulement que c'est ton père. Reconnais que c'est ton père, non?
and you have a feeling, il est là. Spirit of fear, il est there. Reconnais que je suis ton père. He said, recognize I'm your father. Dis, ton père. Say, I'm your father. Quand tu commences à dire, when you start saying it, tu es mon père. You're my father. 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 Amen. Amen. C'est par la grâce de Dieu. Amen. Alors il faut donc que cette puissance de la vie sur toi. La terre que vous voyez n'appartient pas à Dieu. Elle appartient aux hommes. Alors Dieu a besoin des hommes pour manifester sa gloire sur la terre. Et pour ça il faut que l'homme l'accepte comme son père. Amen. Si un enfant vient à toi, il dit, je suis ton père. I'm your father. Il dit, je suis ton fils. I'm your son. La seule chose qui va me rassurer que tu es mon fils. The only thing that will assure me that you're my son. Toi et moi, on parle plus tard, on fait un test d'ADN. Is that we go to hospital to test? C'est comme ça devant Dieu. DNA test. Quand tu dis Dieu. When you say God. Papa O. Papa O. Il fait comme ça. Just like that. Est-ce que celui-ci a Christ? Is that this is my son? You see, you see a Christ. Amen. Non, il n'a pas, il n'a pas. You just have Christ. Il n'est pas mon fils. He's not my son. Tu peux manifester la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que le jour maintenant que tu as Christ, et que tu commences à dire papa, je suis ton fils, tu es mon père, tu es ton père, ça a touché le ciel. Tu vas me demander qu'est-ce que tu veux. Tu veux que les âmes soient sauvées. Il a pas la puissance. Quand tu te retournes, les âmes soient sauvées. Mais puis ne pas jamais te vaincre avec un problème. Seigneur, je veux le mariage. Dieu ne bénit pas le mariage. Seigneur, Lord, je suis devant toi au nom de Jésus. I'm before you in the name of Jesus. Je suis ici en tant que ton
I'm here as your friend. Frère, le ciel s'est ouvert. Mon héritier m'appelle. Amen. My hair is calling me. Le ciel s'est ouvert. Il y a eu comme un homme assis sur le trône qui dit, il est venu prendre mon corps. Le serpent a pris ses genoux à quatre. Il est parti. Reconnais ton identité, frère. Recognize your identity. Et tu vois ce qui va se passer. And you see what will happen. Tel tu es. Tel tu es. So the way God is, who are you exactly? Même dans 1 Jean 4, 17. Tel tu es. Tel tu es. Exactement. 1 John. My God. 1 John 4. C'est ça qu'on appelle le repos, frère. Repose-toi sur Christ. Et devient exactement comme lui. Amen. Tu vas dresser, tu vas manifester les œuvres de Dieu. Exactly like him, and you manifest the glory of God. Tel il est. He that is our. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Frère, où est la différence? Why is tel il est au ciel. So as tel nous sommes aussi dans ce monde. Oh, ce que je veux dire, c'est que tu es une divinité, frère. Ce que je veux te faire comprendre, tu n'es pas n'importe qui. You are not anybody. L'homme de Dieu a dit, il est du sein. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, que les gens qui sont venus, on a fait un programme où on réserve 50 chaises. Et il a dit que je croyais que vous devez applaudir. Et les gens ont apporté dans la même chose à la salle. C'est parce que les choses qui sont dites, les gens qui doivent venir, sont les gens qui sont tels tu es. Les gens qui sont préparés à manifester la gloire de Dieu. Ah, ne vous dérangez pas. Vous allez manifester la gloire de Dieu. Ne vous gênez même pas. Vous allez manifester. C'est-à-dire, ce que Paul criait là, ce que Paul réclamait là, nous allons manifester. Amen. Donc, dans ce monde, nous sommes exactement comme Dieu. Amen. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu avais perdu ta route et que tu sens que ta vie n'a plus de sens, viens me voir, je vais recréer ta vie. Parce que tel Dieu est, tel je suis, ce que je dis prend place en toi, ce que je dis se manifeste. C'est pour ça que je dis que tu vas manifester la gloire de Dieu. C'est le travail que tu cherchais. Moi, je dis que tu vas le travail. Et tu as ce travail. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas manquer de rien. You will not lack anything. Dans le repos sabbatique. Enter into the sabbatic rest. Laisse un peu les petits soucis du monde là. Allow those. On construit pour le droit de gloire à Dieu. Va vers la personne, bénis la personne. Tu as une telle personne qu'on se comme toi, va venir, tu dis que Dieu te bénisse. Si c'est possible, offre le bien. Il me dit, fais tout ce qu'on a posé. Va venir. N'entre pas dans les débats comme on m'a dit que tu as dit sur moi, laisse autre là. Tu es un Dieu. Tu es Christ. Tu redis ma frère. Tu es Christ. C'est ce que nous sommes. Et nous devons manifester ce que nous sommes. Et qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on manifeste? C'est quand on sera conscient que réellement nous sommes Christ. Dieu est assis au ciel. Hein? Et il a dit maintenant, allez-y, les gars, j'ai fini. Vous allez même faire plus que moi. Amen. Commençons à faire tout ce que Dieu veut. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je n'ai pas pris votre temps.